Les infos de Space News sont présentées le dernier jour de chaque mois à la jonction avec le suivant. Les informations présentées proviennent de la profondeur des coulisses et du secret des alcôves. Je vous mets donc en garde. Évitez tout comportement désinvolte ou irrespectueux. Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. La cérémonie de remise des diplômes d'Agro Paris Tech a été marquée par le puissant appel à déserter de 8 étudiants. Ils viennent juste d'être diplômés, mais ils ont décidé de bifurquer en abandonnant les carrières qui contribuent aux ravages sociaux et environnementaux. Et quelques jours plus tard, des élèves des écoles normales supérieures, l'ENS, qui assurent la formation des enseignants et des chercheurs dans les disciplines littéraires, scientifiques et technologiques, ont appelé, quant à eux, dans le journal Le Monde, à transformer en profondeur le secteur de la recherche et des sciences. Et c'est vrai que le besoin est urgent. Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, dans son dernier rapport d'avril 2022, souligne que limiter le réchauffement global ne sera pas possible sans une action immédiate de grande ampleur. Au moment où le monde s'enfonce dans la pénombre des catastrophes écologiques et sociales, ces étudiantes et ces étudiants sont l'avant-garde d'une génération qui, contrairement à leurs parents, n'aura pas le privilège de se réfugier dans le déni. Il nous interroge d'ailleurs, mais quelle vie voulons-nous? Par-delà leur discours, ces jeunes femmes et jeunes hommes montrent la voie de l'action et de la mobilisation pour la transformation écologique de nos sociétés et de notre monde. En tant que professeur universitaire, je leur rends hommage et j'applaudis leur audace et leur engagement. Il a neigé au Brésil, dans plusieurs villes des États de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Porto Alegre et João José dos Santos, causé par la tempête subtropicale Yakekan, incitant les gens à se rassembler dans les rues pour profiter de ce phénomène très rare. Autre phénomène exceptionnel, plusieurs tornades à Lippstadt, en Allemagne, ont fait d'importants dégâts sur leur passage. L'Etna se réveille de nouveau en Italie. Il y a eu des tremblements de terre de force au-dessus de 4 sur toute la côte ouest du Mexique et de l'Amérique du Sud, avec un tremblement de force 7.2 au Pérou. Le soleil a coloré le ciel en rouge et violet
à son lever en Floride. Les températures sont devenues extrêmes, au-delà de 50 degrés Celsius en Inde et au Pakistan, suivies de feux de forêt spontanés sous l'effet de la chaleur. En France, nous avons eu des périodes d'extrême chaleur jusqu'à 46 degrés Celsius dans certaines régions de France, suivies d'orages violents et d'un froid intense. Inondations, effondrement de larges infrastructures, sécheresse et dans le Pacifique, le Parlement du Vanuatu a déclaré une urgence climatique car l'élévation du niveau de la mer et les intempéries affectent déjà les îles de manière disproportionnée, soulignant que deux cyclones tropicaux dévastateurs et une sécheresse ont durement touché les îles ces 10 dernières années. Vanuatu sera, selon mes récents contacts, la première nation insulaire à disparaître de l'hémisphère sud en raison de ces problèmes climatiques. Tous ces événements, ainsi que la guerre Russie-Ukraine, ont engendré le début d'une crise alimentaire mondiale. Les produits commencent à manquer et de ce fait, les prix augmentent. L'initiative de la France et du président Macron pour répondre à cette crise est l'initiative FARM, Food and Agriculture Resilience Mission, qu'il souhaite être couronné de succès. J'ai informé le président chinois Xi Jinping de l'initiative et je continuerai à me mobiliser largement, dit-il. Le président Xi Jinping m'a exprimé son souhait de continuer à maintenir l'approvisionnement et la maîtrise des prix. Le président souhaite approfondir et à équilibrer le partenariat entre la France et la Chine. Je suis d'accord avec sa volonté. Nous travaillerons ensemble pour aller plus loin dans les domaines de l'aérospatial et du nucléaire civil. Avant la guerre en Ukraine, nous nous dirigions déjà vers une crise mondiale de la faim. Il y a maintenant davantage de conflits, une aggravation des crises climatiques et une augmentation des coûts de nourriture, de carburant et d'expédition. Que se passera-t-il lorsque la nourriture sera hors de portée pour des millions de personnes? Si les ports de la région d'Odessa en Ukraine ne s'ouvre pas immédiatement, deux choses se produiront. Premièrement, nous allons avoir un effondrement agricole dans toute l'Ukraine. Et deuxièmement, des famines menaceront partout dans le monde. La nourriture doit donc être acheminée coûte que coûte, c'est-à-dire que les ports ukrainiens doivent rouvrir très rapidement. À part une nouvelle pandémie, il est estimé que le prochain drame international sera la grande pénurie mondiale de matières vivantes et le prix de la nourriture et du carburant. Et nous en viendrons petit à petit à devoir scanner le QR code des passeports numériques pour pouvoir bénéficier
de nourriture. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture s'organise pour résoudre le problème alimentaire. La FAO est l'agence spécialisée des Nations Unies qui mène les efforts internationaux vers l'élimination de la faim. Leur objectif est d'atteindre la sécurité alimentaire pour tous et d'assurer un accès régulier et suffisant à une nourriture de bonne qualité permettant à tous de mener une vie saine et active. Vous pouvez d'ores et déjà consulter leur site pour prendre connaissance des solutions proposées. L'URL est en turquoise en haut de l'image et peut-être aussi vous pouvez vous engager et vous impliquer si vous voulez avoir une action internationale. On ne peut plus, n'est-ce pas, attendre que d'autres le fassent pour nous et c'est le bon moment pour le faire. En attendant, le marché des insectes pour se nourrir est en train de se développer car il représente des protéines dont nous manquerons peut-être. Manger des insectes pour sauver le monde des pénuries alimentaires mondiales est l'un des projets de résolution du Forum économique mondial. Mais il faut dire que les insectes sont plus riches en protéines que la viande. C'est un bon complément alimentaire pour les végétariens. Le seul moyen de nourrir 9 milliards de personnes d'ici 2050. La production d'insectes est écologique et favorable à la biodiversité. Il y a moins de risques sanitaires avec les insectes et c'est un moyen d'en finir avec l'élevage intensif. Sans compter que nous avons déjà à ce jour dépassé notre potentiel de consommation. Depuis le 5 mai, jour de notre dépassement, nous surutilisons et surconsommons les ressources de la planète. Depuis cette date, nous, en tant que Français, puisons dans les réserves non renouvelables de la Terre de manière irréversible. Nous devons donc apprendre à moins consommer et à diminuer nos rations alimentaires. Au cours des 30 prochaines années, l'eau ainsi que les graines non stériles vont devenir des moyens de paiement ou d'échange. Dans certains pays, le réchauffement climatique et le manque d'eau n'est plus une menace, mais c'est une dure réalité quotidienne. En France, actuellement, le niveau d'eau dans les barrages est normal pour la saison. La question est, avec la sécheresse en cours, jusqu'où les stocks hydrauliques pourront-ils se reconstituer avant l'été? Dans les Alpes du Nord, le manteau neigeux est très déficitaire et inexistant dans les Alpes du Sud. Peu d'apport est à prévoir de ce côté. Dans l'Est, les sols très secs vont aussi limiter l'effet d'éventuelles précipitations.
Les sécheresses sont donc à prévoir. L'inflation, qui sévit actuellement dans tous les pays, est la plus élevée en 100 ans. Le niveau d'endettement, le plus élevé en 100 ans. Le prix de l'actif, le plus élevé en 100 ans. Et le taux d'intérêt, le plus bas de l'histoire de la Réserve fédérale. Crise alimentaire mondiale. Crise énergétique mondiale. Dans de telles circonstances, certaines personnes s'imaginent encore qu'elles peuvent continuer à vivre comme elles l'ont toujours fait, voire elles fantasment qu'elles peuvent sortir des châtaignes du feu. Cette première partie des infos au diapason est terminée. Pour la suite des informations sur l'ouverture de la FEMA, une application pour mesurer le réchauffement climatique à votre adresse, le lancement de satellites de surveillance de la santé à un niveau mondial, la création d'un système neuronal humain mondial, la mise en place des passeports sociaux et les explications sur l'affaire Jenner qui vient d'éclater en Espagne. Abonnez-vous à Space News et devenez sponsor en vous inscrivant au forfait Minima numéro 1. Je suis Tim, votre animatrice de service et l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement, de cœur à cœur.